Bonjour, c'est Anne. Alors, bienvenue pour la suite de la série sur la manière d'ouvrir une boutique sur Etsy. Donc là maintenant, dans la vidéo précédente, on a rempli les préférences de la boutique, c'est-à-dire on a choisi le pays de résidence, la monnaie et la langue de la boutique. Maintenant, il va s'agir de lui donner un nom. Alors, peut-être vous avez déjà un business qui est enregistré avec un nom. Dans ce cas-là, le plus simple, c'est d'essayer d'ouvrir une boutique avec ce nom. Le problème qui pourrait se poser pour vous, c'est que le nom soit déjà utilisé. Alors, si vous n'avez pas encore enregistré un business, ça vaut la peine de vérifier avant de l'enregistrer sur toutes les plateformes sur lesquelles vous allez vouloir l'utiliser, que le nom n'est pas déjà pris. Sur Etsy, il y a énormément de noms qui sont déjà pris. Et en plus de ça, il faut savoir que ça ne suffit pas de vérifier les boutiques existantes sur Etsy. Si un nom a déjà été utilisé pour une boutique et que la boutique a fermé, on ne peut quand même pas réutiliser le nom. Donc ça vaut la peine vraiment de venir ici et de taper le nom là pour vérifier qu'il est disponible. Alors par exemple, je vais prendre un nom au hasard. Je ne sais pas. Je vais prendre le nom de ma boutique parce que je sais qu'il existe déjà, donc on va voir ce qui se passe. Donc ma boutique de perles en verre, c'est Anne Landaise Glace. Et donc vérifier la disponibilité. Et évidemment, il est non disponible puisque je sais, c'est ma boutique, donc je sais qu'il existe déjà. Etsy vous donne un certain nombre de noms, vous propose un certain nombre de noms accès, enfin, qui sont libres. Si vous voulez ouvrir une boutique dont le nom est déjà pris, je vous déconseille fortement d'utiliser un nom qui y ressemble parce que ça peut créer beaucoup de confusion chez les clients. Donc, ça vaut la peine de re-réfléchir et de trouver un nom qui soit vraiment original. Bon, évidemment, dans le cas où il s'agit de mon nom propre, il n'y a pas beaucoup de confusion possible. Il y a assez peu de chances qu'il y ait quelqu'un d'autre qui s'appelle Anne Londez. Mais par exemple, si vous cherchez, je ne sais pas si Perle en verre est déjà pris, on va regarder, vérifier la disponibilité. C'est non disponible, ça ne m'étonne pas. Maintenant, vous voyez que si vous choisissez un autre nom de boutique qui commence par Perle en verre, vous risquez vraiment, les gens ne vont pas savoir exactement. Quel nom correspond à quelle boutique. Donc ça vaut vraiment la peine de réfléchir de nouveau et de trouver un nom qui soit vraiment original. Alors une des choses qui est recommandée par les coachs en marketing et en particulier la mienne, si vous ouvrez une boutique de créateur, c'est d'utiliser votre nom dans le nom de votre boutique. Alors évidemment, si vous avez un nom très très courant, il va probablement falloir rajouter quelque chose derrière pour que ça soit clair. Mais ça, c'est une bonne option. Vous avez effectivement plus de chances d'avoir un nom qui soit disponible. Rappelez-vous qu'il y a beaucoup, beaucoup de boutiques sur Etsy, donc il y a beaucoup de noms qui sont déjà pris. Alors, une fois que vous avez trouvé un nom qui vous correspond et que vous avez vérifié là qu'il est disponible, là, il suffit d'enregistrer et continuer. Et puis, on arrivera à l'étape approvisionner votre boutique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt pour la suite.